Moi, j'ai ouvert le roulement. Avec un disque. Voilà, je vais continuer. Donc on voit qu'il y a un deuxième jeu de billes en dessous. Bon, j'ai pu retirer la cage à la main. Ah, ça c'est vraiment flexible. Bon voilà, j'y suis presque. Ça m'a vidé la batterie de la Dremel, mais ça l'a fait. Ouais, elle sort assez facilement. Elle sort, mais il y a les griffes qui chient. Yes, un truc de sortie. Voilà. Déjà une bonne nouvelle. Ok, c'est cool. En train de monter. C'est un carnage, mais c'est un carnage, mais il est en train de monter. J'y suis allé à la Dremel à l'intérieur. Faut qu'il continue à monter. Oh là là. Fait chier quoi ça. Chier. Si j'y vais, si j'étais allé tout de suite plus fort à la Dremel, je trouve qu'on n'a pas besoin de faire toutes ces conneries là. Peut-être une victoire, mais c'est amer. Du coup, je suis en train de poursuivre.
Là, je suis en train d'extraire cette roue là qui voulait vraiment pas bouger avec le levier que j'ai mis là. Et là, j'ai serré un peu fort avec la clé, juste même pas dynamo, avec le levier moyen là. Elle a déjà monté, c'est décoincé. Là, elle était bloquée, j'ai juste fait un droite-gauche et elle est montée. Va continuer. M'étonne que ça bouge pas là, si c'est aussi serré qu'un roulement ce bordel. Putain, c'est censé monter et descendre juste avec le levier. C'est n'importe quoi. Wow. Oh putain. Bah il tourne plus facilement. Il y a du boulot. Une fissure dans le culé en tout cas. Oui, tourne bien au moins. Et donc, il y a des marques de fou là.
au niveau de la roue dentée. Aussi des marques. Bon, le levier, la commande de crabotage, le tambour. Là, il y a le carter de la couronne. La couronne, la vis sans fin. Bon, j'ai refixé toutes les plaques, toutes les vis, toutes les vis. C'est un coup à les perdre, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de vis. Donc quand même le but, j'ai une autre couronne là qui est bien mieux, voilà. Elle s'est fait chanfreiner ses profils, et l'arbre, je vais l'envoyer dans un atelier métal, enfin, je vais voir s'ils peuvent. Donc là j'ai accès aux écrous qui sont derrière maintenant. Ces écrous étaient à l'intérieur du carter, du coup ils étaient inaccessibles. Et la chape aussi, j'ai remis les vis là. Ici il y avait un roulement à rouleau. Et quand je l'ai retiré par là, les rouleaux qui sont tombés, j'en ai perdu un. Hein. Je sais pas où il est. Ça me fait chier. Je vais aller chez un pote qui a un énorme aimant. Je vais lui emprunter. On verra. Bon voilà, c'est démonté. Alors, on peut pas faire plus. Donc là j'ai trouvé une autre couronne sur internet. On peut comparer les deux. Et là je pense que les profils se sont fait un peu chanfreiner, enfin arrondir même pour le coup. On voit qu'il y a plus de matière sur les bords. L'épaisseur des dents également. Ok, on va faire le tour. On est diamétralement opposé et on voit qu'il y a toujours le même problème. Il y a des dents qui sont vraiment fines.
Voilà, ça va parfaitement la bonne couronne. Pas tout à fait la même non plus. Donc, parce que là, la fixation est pas totalement centrée. Donc ça m'a l'air similaire à ça. Voilà, il y a des motifs quadrillés qu'il y a ici. Ouais, on les voit jusqu'au plat. Et là, on a le plat, on n'a pas les motifs quadrillés, tout est lisse. Là, il y a un rebord. Il y a un rebord ici, qu'il n'y a pas ici. Enfin, bref, c'est pas tout à fait le même modèle. Ça a l'air d'être le... Bah, c'est le même nombre de dents. Ah, c'est sûr, celle du tracteur. Voilà. Et là, si je la déplace. Voilà. Ça tourne. J'avais aussi acheté sur internet une autre vis sans fin. Il n'y a rien pour comparer, j'ai pas les mesures. Elle est beaucoup plus grande. Dans quel sens? Là que c'est le même pas. Dégueulasse. Oh tiens. La couronne, j'ai de la chance. Lisse sans fin, c'est pas grave. La couronne, c'est bien parce que c'est la pièce en alu qui a l'air d'être la pièce d'usure. Vais essayer de désolidariser la couronne.
C'est bizarre. Alors la clavette est planquée quoi. Bizarre cette affaire.